Et religion Leonard, moi je dis re parce qu'on est en live, hein, mais c'est vrai que pour vous qui regardez en VOD, c'est salut les gens. Salut les gens, c'est Leonard. On est de retour sur God of War. Que dis-je? God of War! On a eu un combat assez compliqué dans l'épisode précédent. Je suis mort 2-3 fois quand même. Die retry! Et pour le coup, une énigme, enfin une énigme, des objets, des stèles à péter là, assez compliqué à trouver. Mais maintenant, c'est fait. On se casse, on va rendre la dépouille à Jean-Michel Mormont, là, celui qui attend sa femme en morceaux, pour lui faire des choses. Hein. Je me demande pourquoi les autres bouliques ont été éparpillées. Et on une est profanation, de retour. En disséminant les membres, on empêche l'âme de trouver le repos. Impossible d'atteindre le Valhalla ou Helheim quand tes bras sont sur une plage et ta tête sur une autre. Pourquoi ne pas demander à l'esprit? Je suis sûr qu'il te répondra sans détour. Bon, je sais toujours pas comment utiliser les larmes d'Yggdrasil. Rosé, par contre, Yggdrasil. Bon, bref, ces machins-là, je sais pas encore comment j'utilise. On verra bien par la suite. Quelle drôle de grille, je me demande qui l'a construite. Il était où, bon, les connes. C'est par là. Sont... Ah non, j'augmente les mètres. Merde, quelle que soit la direction que je prends, j'augmente la distance. Qu'est-ce que c'est ce délire? Il est où ce con? Je suis où moi? Ah, moi il faut que j'aille là. Non? J'ai là-bas. Moi je suis. Je suis où? Ah, faut que je sorte de la crique et que je longe tout le côté. Ok. Comment on sort de la crique déjà? On est beau côté, hein. Putain, il n'y a pas de... On est là, mais il y a... Non, on est où? Si, on est là, mais on n'a pas de direction, en fait. C'est quoi ça? Faut que j'aille à l'opposé de ça, non? Putain, ça me saoule. Attendez. Là c'est mal branlé, on n'a pas la direction de où on va. C'est chiant. Ah, on est là nous, on est là, Kratos est là, ok. Et on doit aller... Là. Donc faut qu'on passe sous le pont. On peut passer sous le pont ou alors faut faire tout le tour? Je sais pas. On peut passer, hein. Il aurait pu mettre une flèche pour mettre dans le sens dans lequel on va, quoi. Ah, ça c'est de l'or, je crois, de l'argent. La cascade est encore plus grande maintenant que le niveau de l'eau a baissé. Putain, je suis pas parti du bon côté. Attends, je sais plus. Non, mais non, je suis pas parti du bon côté. Je suis parti par là. Demi-tour. Mais c'est une plaie pour se diriger sur ce machin. Là. Thank you.
Ah, c'est bon, c'est bon chemin. Ok, c'est bon chemin. Moi sur le chemin. Allez. Nous avons rassemblé toutes les parties du corps de ta femme, esprit. Montre-nous la magie que tu nous as promise. Ah, ma tendre Gulvig. Entière à nouveau. Lève-toi, Gulvig. Réveille-toi, puissante Gulvig. Evni Bukarbithias. Elle dit qu'elle honorera notre requête. Elle dit Fagnar. Et qu'elle nous réunira. Ok. Vous avez raison. Des cauchemars. Merde! Saloperie d'esprit! Mythomiam! C'est également vrai, mais ne retourne pas ta déception contre moi, Atreus. Qu'elle te serve de leçon. Oui, père. Non mais profane le corps, quoi, fais quelque chose, quoi, sérieux. Viole le cadavre, venge-toi. Ah. Le burin spécial est juste devant, derrière cette porte. Wow! Salut toi! Quoi? Des elfes noirs? Mais des pourquoi? Attention, c'est quoi ce bordel? Yeah.
Je pète ta gueule, moi, saleté, hein. Donc, par contre, les elfes noirs, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont loin chez eux, par contre. Hein. Il y a quoi là? Il y a que de l'eau. Comment il est sorti de là, la grosse bestiole là? Hein? Ah, parce qu'il faudrait pas me prendre pour un jambon non plus. Ouais. Bon, ça c'est fait. En secondaire, c'est quoi ça? Si, ça. En secondaire. Ouais. Marqueur déplacé, zoomé, option quitter, affiché. Afficher les entrées. Afficher les quais, afficher les accès. Ah, il me reste un coffre légendaire à trouver. Région chute de pierre. Ici on a 100% d'achievement. Ici on a 32% parce qu'il y a encore plein de trucs à faire apparemment. En fait j'ai l'impression que chaque... On va aller là. Chaque île, à peu près, tu vois, il y a des trucs à faire là. Région, rivage, je sais pas quoi. Artefact trouvé 2 sur 4. Accès mystique 4 sur 10. Inscription runique 2 sur 7. 3 brèches de royaume. Ouais. Ouais, ça me met tout ce qui reste à faire. Il y a l'explorer et tout, même là, c'est pareil. Ah bah là j'ai fait 100% du coup. J'ai fait 100% de cette région là. Donc il faut qu'on aille là et puis qu'on va terminer ça à 100%. Hein. Moi je dis y a que ça à faire. Hein. Allez. On va curer zone par zone. Donc on a accès à l'histoire, enfin à la suite de l'histoire pour le coup. C'est là. Après malheureusement, ah oui mais oui, mais non. Mais non parce que ça on n'y a pas encore accès. Voilà, tu sais, il faudra revenir. On est obligé de revenir en fait plus tard. Voilà, ouais, ok. Bon, on fait la suite de l'histoire alors. J'avais oublié qu'on n'avait pas forcément. On n'avait pas forcément tous les pouvoirs. Du coup, on doit aller où nous maintenant? Ça, c'est quoi ça? Ah, les membres de l'équipage. On peut faire ça. On a trois trucs à aller. On a Deus Ex Malachite aussi, c'est Brock avec les mines. Ça c'est quoi ça? Inaccessible pour l'instant. Inaccessible pour l'instant. Ok. Ouais. Donc c'est soit on va au tailleur de pierre, donc on a vu la grille qu'on a ouvert. Soit on va faire poids mort. Et moi je pense qu'on va aller faire poids mort. Tuer les membres de l'équipage. Ouais, j'aime bien tuer des gens.
Salut serpent tête de pine de vieux, comment vas-tu? On dirait vraiment un pénis de vieux. Et de la barbe et tout. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? De l'or. T'as ramassé ou quoi? Ouais, c'est bon. La thune, ouais. De 100 mètres, 100 mètres. Ouais, ça va être par là. Ça va être la prochaine plage. Mètres, ouais, c'est ici. Ok, on a des gens à buter ici. Île de la mort, ah bah écoute, bon, ça, ça va faire exploser donc peut-être pas tout de suite. Hein. Je peux pas accéder direct. Toi, saloperie de pigeon lodin dans ta gueule. Hein? Ça. Bon, apparemment, j'ai pas accès non plus à ça pour l'instant. Non. Pas pour petit sweet. Pas l'air très amicaux. Il était responsable de chacun d'entre eux. Ça fait beaucoup de responsabilités. Ça te fait peur? Les responsabilités. Non. Je crois pas. Enfin, avant, si. Mais plus maintenant. Pourquoi ça? Eh ben, à force de voyager, avec toi, j'ai l'impression d'avoir grandi. On pouvait pas les geler ça avant? Oh putain! Ah ouais! Ok! Un poison assez virulent, disons-nous! Pas jamais ça m'a tout shot! Ok! Ouais, Ripley de la mort. Ouais, c'est du gaz sarin le machin que. Bon, il y a une tyrolienne hein, qui part de là pour aller là-bas, certainement faire le tour par la droite. Par contre, comment faire exploser ça, par exemple, si j'ai pas de... On va certainement avoir des pouvoirs hein, pour après, parce que...
enfin avoir d'autres pouvoirs. Parce que par exemple, ça, là pour l'instant, je peux pas les. Je peux rien faire. Donc, je peux pas les ouvrir. Ils vont pas mettre des coffres qu'on peut pas ouvrir dans le jeu. Donc faudra certainement revenir ici. Avec d'autres pouvoirs. Donc là, on peut même aller en face, dis donc. Comment ça fonctionne, ce truc? Ah zut. Merde. Comment ça fonctionne cette saloperie? Oh merde alors. C'est quoi ce bordel? Il faut le faire une fois. Ok. Ah mais je veux pas y aller quand il est au stutter là. C'est quoi ce bordel? Mais merde. Ouais, carrément. Je peux y aller que quand c'est comme ça. Ouh putain, ah oui d'accord. J'ai compris. Non. Ouais, le gros serpent il bouge. Alors. Elle est pas belle la vie. Ok, ça c'est fait. Ensuite, faut que j'aille jusque là-bas. Oups. On est parti d'un mec à buter sur cette île là, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et là on se retrouve à crapahuter je sais pas où là. Oh ça sent le boss. Quoi? Mais là on est de retour sur le machin là.
D'accord. On revient ici. Oh putain. Bon, je vais pas aimer s'il me touche, lui. Ah ouais, je vais pas aimer s'il me touche, je m'en doutais. Ah, je lui fais zéro dégâts. Quoi, mais oh, tu me laisses deux secondes pour respirer ou quoi? C'est quoi ce machin? Oh là là! Mais c'est quoi ce machin, quoi? Sérieux? Le truc qui t'attaque non-stop! T'as pas une seconde de répit, putain de bordel de merde! Le machin, il m'a attaqué non-stop, quoi. T'as zéro répit. Ah ouais, ok, même avec mon bouclier, il me coupe en dehors. J'ai beaucoup de mal à trouver de l'intérêt à ce combat. C'est... Ok. Bah, ouais, furieux mais inintéressant finalement. Parce que finalement, si je peux pas le toucher moi-même, ou très peu moi-même, il faut que c'est que le gamin qui le touche. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à ça, hein. Il va être long ce combat, je vous le dis. Le machin il attaque non-stop. Il y a que le gamin qui lui fait des dégâts parce que moi je le chatouille.
n'a vraiment aucun respect pour moi. Content de t'avoir rendu service, minable. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Nous voilà bien. Die and redie. And redie and redie for retry. Faut mettre le jeu en difficulté hardcore, sinon le jeu est trop facile. Mais suce ma couille, quoi. Putain, puis moi je suis trop con pour abandonner en plus. Non, parce que ce machin là, normalement, il faut le faire. Il faut le faire quand t'es au même level, quoi, ou à level approchant. Au moins tu peux lui faire des dégâts là. J'ai oublié de te dire que j'avais la rage. Raté, super. Attention, derrière toi. Oh, mais one shot, bâtard. Putain, j'arrive même pas à le mettre midlife, sans culer. Ouais, parce que là, à part esquiver et tirer avec le gamin, je fais pas grand chose, hein.
Qu'est-ce qui peut être plus dur qu'un boss qui te one-shot? À part un boss qui te regarde et qui te tue, c'est sans te toucher. Va crever. Macha, il court même dans mon attaque, quoi. Celui-là, je vais l'abandonner. Ça sert à rien. Je le ferai plus tard. Sinon, je vais passer 3 heures dessus. Je vais finir par l'avoir, hein. Mais genre, il passe en 3 heures. En faisant un run perfect, il va durer, le run il va durer 40 minutes. Et j'aurais fait un combat où j'aurais fait qu'esquiver pendant 40 minutes. Intérêt 0. Je peux y repartir au moins. Là, regarde. Oui, père. Avec. Donc ça, pour pas les faire exploser. Oula. Vous êtes bien battu. Eh, un autre esprit. Allez, quoi. Je ne mords pas. Vous êtes... moi? Tu es très perspicace et imprudent. Fais attention en allumant ces brasiers. Les flammes attirent les Éléens et les séistres comme des papillons. J'imagine que c'est vous qui nous avez libérés de notre tombe aquatique. Non. Les autres esprits... Le lac des Neufs en est plein. La plupart quittent ce royaume à leur mort. Mais d'autres, comme nous, restent coincés à Midgard jusqu'à ce qu'ils trouvent la paix. Vous pouvez peut-être les aider. Nous n'avons pas l'intention de t'aider, esprit. Oh, mais c'est déjà fait. Je voulais juste voir le ciel une dernière fois. Adieu. Poum, le H augmente la force et défense et la chance, améliore ses équipements pour monter les stats supplémentaires. Oh, niveau vert. Disparu. Viens, ne nous laissons pas distraire. Oh.
là. Bon bah apparemment ici c'est pareil, il faudra revenir, à moins que ce soit suffisant pour te faire exploser. Ce coffre on peut pas l'éteindre pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. C'est une créature dangereuse, on va s'en occuper à deux. Oh c'est un loup-garou. Ok. C'est la fin alors. Ok. Putain, mais je serais mort une paire de fois dans cet épisode à la vache. Die and retry. Bon, lui normalement on devrait l'avoir. Hein. C'est juste que j'ai dû. J'ai dû me prendre du gaz ou quelque chose comme ça pour sauver aussi vite. Il est que niveau 4, donc normalement il peut pas me one shot. À moins que même les ennemis niveau 4 m'ont one shot maintenant. Je crois qu'il y avait du gaz hein, sur la droite. Ouais, ouais. C'est une créature dangereuse. C'est le gaz qui m'a tué. On va se battre ici plutôt. Hein. C'est bien le gaz qui m'a tué. Faut faire gaffe aux zones de gaz, putain, mais ça m'a one shot hein. Comme d'hab quoi. Ok. Les loups-garous. C'est quoi? Putain, il est sous de ma gueule! Je vais l'éliminer! Comment un seul capitaine pouvait commander autant d'hommes? Il a gagné leur loyauté, donc ils l'ont suivi. Et ils sont tous morts. Ça devait pas être un bon capitaine. Pourquoi dis-tu ça? Eh ben, il a mené tous ces hommes à leur mort. C'est vrai. Mais ils ont choisi de le suivre. Même les bons chefs prennent de mauvaises décisions. Mais les meilleurs les assument. Souviens-toi de ça. Oh!
éviter. Trêve. C'est quoi ça? Résistance aux brûlures. On va ouvrir ça. Je récupère un cœur d'ancien. Bon, ben on va s'arrêter là-dessus. Hein. On va s'arrêter sur cet épisode-là. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Là. Etc. Regarde. Etc. Comme d'habitude sur YouTube. Et merci de m'avoir suivi. C'était Lionheart sur God of War. Que dis-je? God of War! Ciao, ciao!